En fait, nous accompagnons le gouvernement béninois à l'actualisation, la révision, voire l'élaboration du cadre stratégique institutionnel du secteur portuaire au sens large. Et donc, au démarrage du projet, en 2019, on a donc identifié les différentes institutions partenaires, dont la préfecture maritime, et les différents textes, documents qui, selon ces institutions, devaient être soit élaborés, soit réactualisés et actualisés. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à être aux côtés de la préfecture et de ses partenaires pour actualiser la stratégie. Vous savez, il y a eu un premier document en juin 2013. Aujourd'hui, on est déjà en 2021. D'ici à ce que la nouvelle stratégie soit élaborée et surtout mise en œuvre, on sera déjà en 2022. Bon, voilà, ça fera presque 10 ans. Il était temps, je pense, d'aider le gouvernement à actualiser ce document important. Aujourd'hui, par exemple, on est dans l'une des phases du processus. On a commencé par l'actualisation du contexte. Là, maintenant, c'est l'évaluation de la stratégie passée. Et donc, les attentes par rapport à ce processus, c'est que la prochaine stratégie soit plus claire, peut-être mieux structurée. Et surtout, il y a l'aspect que les autorités politiques puissent entendre l'importance d'accompagner par les moyens adéquats cette stratégie. Donc ça serait vraiment quelque chose de très positif pour nous, ce qui est au plus haut niveau. Il y a une prise de conscience de l'importance de la mer. Il faut se souvenir que 40% du territoire béninois est en mer. Donc il y a tout un univers là qui peut apporter du travail, des emplois, des ressources, et aussi qu'il faut protéger. On accompagne plusieurs aspects. Alors là, on a une consultance internationale avec les consultances qui accompagnent cette prestation. On a prévu aussi de former, d'accompagner la formation donc, de toutes les institutions partenaires de la préfecture. Et on investit aussi au niveau donc, de la construction et de l'équipement du sémaphore à la base navale de Sémé. Or, la mise à disposition du Bénin de nouveaux moyens de surveillance des eaux, ça fait partie de la stratégie, c'est un des aspects de la stratégie. Donc on est en train d'investir, j'allais dire, plusieurs centaines de milliers d'euros, toutes confondues et sous différents aspects. Par exemple, on accompagne aussi le gouvernement sur l'actualisation de son plan Search and Rescue. Ça, c'est la sécurité maritime. Donc on est présent sur plusieurs facettes. Et je dirais, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros d'accompagnement global, à la fois sur des prestations intellectuelles, mais pas seulement, aussi sur des bâtiments, des équipements, les radars, les radios, etc.